করে ওই প্যাপ নাঙ্গুইয়া উলাই জপি কলাই যে ওই লুন্ডু ওতে নিয়ে ঘুমিয়া গেমন
d'être à mon âne d'un jour. Qui l'aulu? Bahna. Ouais, au village, yo, comment casse yo, y'a un pour la yo. Manam, y'a un autre tag de garabité albiak sa jabar. Mouni? Ouais. Ami roule à Nazaran pour qui, pour moi, le dalmol est disfofu. Nakadiak, roule encore, roule. De fois, roule. Tout donne route. Ah, non, y'a un mot, y'a. Ami roule, fina correct, mom gis na yo, mom mi moko bole. Bahna. Sama jabar bi dem barke dem buza gënë wo ci lu ko metti waxuko da nga xamné amoko la dogal ak ñoo mo wax baxna télé wax da bëgg bari ba jox ko soxna ci non di nga jël dé ah jël facteur yaay jël courant nga jël wa convocation jël ma ko jël di nga jël dé moy borom kër gi na jël na ñen defal choono yi. C'est le chef du village, je pense que tu m'as reconnu. Exactement. C'est la convocation que vous m'aviez donnée, que j'ai amenée. Lui, moi, mort. Moi, donne d'accord à faire. Ah, ok, la convocation de mort. Ouais, c'est toi, mort. Ah, ben, la guinée de ce n'est que Nyar Amoufikei. Il y a une autre tag de garage à chaque fois. Ah, lol, le gars, il va dire. C'est la énième fois que nous l'avons fait, Andy. Wow. De quoi le groupe? Dès. Double deck, hein? Wa bah, il faut que je vous cache. Nous n'est que des gens, n'est que de leur population. Comme qu'à demain, année. Non, baille-moi, je vous connaissez. Vraiment, voilà, même tout direct. Baille-moi, je vous connaissez. Si, à l'école, il y a une baille, ça fait. Mais la motte, vous n'est que des gens qui sont là. Non, mais baille-moi, faites une bonne fois pour tout. Parce que qui donne leur acte, nous mène une homme. Je vais aller, Marek, beaucoup de gens. Fale ma fissa ba jekal la de boko jappe ala ya nga fa keur ga ne awuma lu len dundal ay yow japp ci way leg bo len amul lu len dundal sen jabo du dem mu liggey ah daño amul liggey liggey mën na manke ci senegal gi manke na kay ñaata diplomatique nga fi gis amuñu liggey amuñu tout lo lay wax ni deugul na ma sen wax mo ngi bëgg bari ay balima balñu ko doone balima ci dama wax bo zone dina ko def na ndax sa jabar ak chef du village legi. Xam nga lañu def dama lay jox ben convocation yow chef du village après da ngay dem nga convoquer ma sa population yépp suba à 11h ñu def ben journée de sensibilisation pour mëna ñaax nit ñi ñu mëna arrêter tabum garab bi parce que li ni lu langue bu mag la. Monsieur le maire de la commune de Patarsine, monsieur l'administrateur du monument de la Renaissance, monsieur le proviseur du lycée de Patarsine, monsieur le censeur des études de l'établissement, monsieur l'intendant du lycée, messieurs les directeurs d'école, chers enseignants et surveillants, chers parents, chers camarades, honorables invités. Avant tout d'abord, je remercie le proviseur de son engagement pour l'amélioration des conditions d'études dans le lycée afin de favoriser la réussite des élèves. Nos sincères remerciements et reconnaissances vont aussi à l'endroit du censeur, de tous les professeurs, des surveillants et autres, pour le travail extraordinaire qu'ils sont en train d'effectuer pour que le lycée de Patar figure parmi les meilleurs lycées du Sénégal. Je lance un appel à mes chers camarades élèves de redoubler d'efforts pour les filles. Mettons en tête que tout ce qu'un homme peut faire, une fille peut le faire. Croyons en soi et soyons fiers de nous. Je remercie, cher public. Guide ma foi, santé à foi, et ta peine, Orna, Mère Patarsine, Père Moussa Aliou Diallo. Donne la peine à professeur Fé, fa censeur, fa intendant, pour faut que j'aille à l'Orna, le lycée Fé, faut que j'aille à l'Orna, le xedana den wut fo xudonis fo jamna bin jamtafi ñana na den
mais dañ ci fa école né ya sama roga fa dana len maga sante a fop nak ku mbando fe na lé a gidma enseignant ke parce que gane na mit né école né a gidma para de l'élève ke parce que a hoita nga déjà bi di nda ko yo sante a aussi ra élève xé amojo ñaaka den ala ya dene sa a chang sakun to nun ha elewa he nun defu yakar fe in para de lefke nun defu yakar fe na commune patar nun defu yakar fe no saxle o fet mangi jël kaddu gi ci ndigalu chef du village bat yu jëk yi may jëk wax moy remercier ak nuyu monsieur le maire ak équipeam di ko nuyu ci liguey bu sel bi nga xamantene bi mom lañ ko denk mom lañ ko yakare won mu diko doxal parents d'élèves yi mang leen di nuyu ci sen tour ak ci sen sante di nuyu président parents d'élèves Koumando Fell Diouf yakar biñu amone ci mom yokuna ndax bam jélé yef yi batay alors école bi changé na ba ñepp gis ko kon koko aussi jarna gërem ak sante à l'occasion de la cérémonie des journées culturelles, sociales et éducatives du lycée de Pata. C'est aujourd'hui une fierté pour moi de constater que l'administration est en train de soutenir et d'accompagner les élèves. L'éducation ne peut pas se limiter dans les salles de classe. Elle permet également à contribuer au développement de la commune surtout et aussi des élèves qui vont participer pendant ces ans d'activité. En tant que le président de la coordination des élèves et étudiants de la commune de Patassine, je suis accompagné par mes camarades donc du bureau, le PCP, le trésorier général, le PCS et l'adjoint au PCS, donc, qui sont venus aujourd'hui pour représenter toute la coordination. Et sur ce aussi, nous avons confectionné quelques fascicules, donc au nombre de 40, pour en tout cas renforcer la bibliothèque. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De s'exercer et de lire aussi des œuvres. Monsieur le censeur, monsieur, madame les surveillants, monsieur, madame les professeurs, monsieur la présidente du gouvernement scolaire du lycée Mixi de Patassine, monsieur les présidents des gouvernements scolaires ici présents, chers camarades, élèves et étudiants, bonjour. C'est à la fois un honneur et un plaisir aujourd'hui. Un honneur parce que je tiens la parole au nom de tous les ressortissants du lycée de Pata. Et un plaisir pour deux raisons. La première, je suis aujourd'hui accueilli ici par mes frères et sœurs. Et la deuxième, il l'a souligné tout de suite, j'ai présidé ce gouvernement scolaire pendant 2 années successives. Mais aujourd'hui, revenir dans cette école et voir mes frères et sœurs gérer cette même structure d'une façon dont je ne le faisais pas, c'est vraiment du plaisir. Donc je vous en félicite, chère présidente et son équipe. Tarsine vous souhaite la bienvenue et vous manifeste toute sa gratitude. En venant nous honorer de votre présence à cette journée, vous exprimez votre engagement à accompagner l'école dans sa quête multiforme de la réussite. Cette présence participative constitue déjà pour nous un intrant de qualité dans la quête et la conquête de l'excellence. L'ambition de notre établissement est de créer à tous les niveaux un climat relationnel et motivationnel positif avec l'engagement de la communauté et c'est cela l'une des conditions fondamentales de la réussite. Dans ce sens, nous demandons l'engagement de tous pour faire de cet établissement un lycée d'excellence. Pour atteindre cet objectif, nous comptons encore sur le soutien de tous les responsables, les partenaires, notamment l'APE, le conseil départemental, la mairie, les ressortissants de Patar, les partenaires extérieurs pour faire face à certains manquements. Aujourd'hui, le lycée de Patar a fait quelques pas en avant, mais
nous avons toujours besoin d'infrastructures telles que un bloc administratif, des salles de classe, une bibliothèque commode et une salle laboratoire et autres. Monsieur le parrain, par ailleurs, maire de la commune de Patard et au conseil des collectivités territoriales, malgré les contraintes, vous avez accepté de parrainer ces journées. C'est encore l'occasion pour vous rendre un hommage et vous manifester notre profonde gratitude et celle de toute la communauté scolaire. En effet, votre sens du partage, votre sens de la solidarité communautaire ont toujours été perceptibles, voire visibles, dans toutes vos œuvres. Vous avez déjà beaucoup fait pour le lycée. La construction de salles de classe, d'un bloc sanitaire, l'équipement des bureaux de l'administration en mobilier, etc. Cela illustre à suffisance votre altruisme, votre engagement pour l'éducation et la formation des enfants de la communauté. Pour ces soutiens, la communauté scolaire vous remercie. Monsieur l'intendant, Madame la présidente du gouvernement scolaire, chers professeurs, chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du maire de Patard Sine, M. Aliou Diallo, je voudrais tout d'abord remercier l'administration du lycée, remercier le personnel enseignant pour tout ce qu'ils sont en train de faire au nom et pour les populations de Patard Sine, à travers les enseignements apprentissage qu'ils sont en train de livrer pour nos enfants. Chers professeurs, au nom du maire, nous vous remercions du fond du cœur. Nous voudrons également remercier la présidente du gouvernement scolaire et l'ensemble des membres de son bureau pour cette belle organisation qu'ils sont en train de faire au nom du foyer socio-éducatif. Chers élèves, merci. Revenant à propos de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, et pour le déjà là, au nom du maire, les acquis énumérés tout à l'heure par le proviseur ne nous empêcheront nullement de marcher à vos côtés pour la réalisation des doléances aussi citées, entre autres le bloc administratif, les salles de classe, le laboratoire, etc. Certes, la mairie a ses compétences qui le limitent à un certain niveau. Mais le maire, en tant que parent d'élève, en tant que citoyen de la commune, ne peut pas se permettre d'avoir des limites, surtout pour le rayonnement de ce lycée. La réussite de ses élèves est d'abord la réussite de la commune, la réussite des populations de Patard Sine. Donc, tout au chacun, autorité, parents d'élèves, élèves, doit marcher aux côtés du corps professoral qui est en train d'abattre un travail colossal pour leur réussite. Aux élèves, je dirais, si vous permettez, parce que certains sont sur la bonne voie, on a entendu dans le chronogramme des remises de prix. On remet des prix aux gens qui ont bien travaillé. Aux autres qui ne vont pas recevoir ces prix, vous pouvez le faire. Et aux autres qui ont un certain comportement, je dirais, il n'y a pas ni de bonne ni de belle indiscipline. Tout ce qui a trait à ce mot est mauvais. Et aux parents d'élèves, je dirais, cette mission est partagée. Au moins, ça doit l'être. Les professeurs ont une part de responsabilité.
mais aussi les parents d'élèves en ont une grosse part de responsabilité. Donc vous comprendrez aisément toute la joie et la satisfaction qui m'anime en me présentant ici avec vous pour perpétrer à cette tradition. Je voudrais tout simplement placer un mot de remerciement pour cette invitation. Un mot de remerciement à M. le Préviseur qui, comme il vient de le dire, est un promotionnaire. Un promotionnaire de lycée et de fac avec qui j'ai gardé toujours d'excellentes relations. Monsieur le Préviseur, je vous remercie vivement. Je sais aussi tout votre engagement pour le système éducatif sénégalais. Je voudrais également placer un petit mot à l'endroit des élèves, et ça va juste être pour leur dire, adresser des encouragements. Des encouragements à persévérer dans les études. Parce que dans la vie, comme on dit, rien ne s'obtient, mais tout s'arrache. C'est avec persévérance, abnégation, que vous arriverez au bout de vos efforts. À M. le maire aussi, je voudrais vous rendre un hommage pour la présence, mais surtout pour votre activité quotidienne dans l'accompagnement du système éducatif, l'éducation étant une compétence transférée. C'est vraiment une université qui est construite par des centaines de personnes, de la CECOM, mais aussi qui l'ont dit. Voici un petit poulet. Ils ont fait des choses purement syndicales en instaurant des courants et autres. Je suis en l'année prochaine à l'université, Inch'Allah. Des noms des scientifiques pour les rendre hommage aussi. Mais elle aussi en a fait quelque chose parce que pour comprendre la génétique, en particulier l'hérédité, les lois de la transmission des caractères héréditaires, il faut forcément faire appel aux lois de Mendel. Thalès, aussi mathématicien et physicien en même temps, a eu à faire sortir des théorèmes que nous utilisons toujours et aussi à initier les ondes à utiliser des courants électriques, de même à les produire. Mendeleev aussi est un chimiste qui a établi le tableau des classifications périodiques des éléments chimiques. Concernant Albert Einstein, lui aussi c'est un physicien, l'un des plus grands physiciens aussi de l'histoire, car il a reçu le prix Nobel de la physique grâce à son explication. Grâce à son explication de l'effet photoélectrique. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avons donné les immeubles ainsi que les stades, ces noms-là. Et pour passer, je vous dirai encore que le cité est bien électrifié. Et aussi, pour le démontrer, on peut l'allumer tout de suite. Bon. Nous sommes très contents aujourd'hui quand même parce il est que bien. Nous avons vu nos professeurs nous encadrer. Merci beaucoup. À construire ici, à traduire notre théorie en pratique. C'est vraiment, nous sommes heureux. Mmh.